Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana mpe limwesantu. Dieu tout-puissant et bon Père céleste. Tata wabokasi so pe Nzambe walikolo. En ce jour de fête pour ton peuple, nous nous sommes réunis ici dans ce stade. Na mokolo ya fête mpona ekolo na yo, to sangani awa libanda ya masano. Et de nombreux enfants de Dieu se sont réunis dans leur communauté. Et tous ensemble, nous te louons et nous t'adorons. Nous adorons ta toute puissance. Personne n'est plus puissant que toi. Nous glorifions ta sagesse. Elle est beaucoup plus grande que celle des hommes. Tu connais tout le passé. Tu connais et tu comprends le présent. Et tu es vraiment le seul qui sache tout de l'avenir. Que tu es grand, bon Père Céleste. Salut mon aîné, Tata Walikolo. Et ton amour est infini. Tu nous aimes tous sans faire de distinction. Nous avons toujours le droit de venir chez toi. Merci pour ton amour, pour ton aide et pour ta protection. Nous prions ensemble pour tous les malades et pour leurs familles. Certains se trouvent depuis très longtemps dans des situations difficiles. Ô Père, ne les oublie pas, accorde-leur ton aide et change la situation dès que possible. Nous prions pour les familles dans le deuil, console-les. Beaucoup de jeunes passent leur examen aujourd'hui. Accorde-leur tout particulièrement ton aide. Et maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu sont venus avec leurs prières personnelles. Nous les déposons à tes pieds. Prouve à chacun des tiens que tu as entendu sa prière et réponds-y. Permet à nos bien-aimés de l'autre monde de se joindre à nous. Et ensemble, bénis-nous, fortifie-nous. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et chers sœurs, pour ce grand service divin, je vous lis une parole extraite de l'Évangile selon Matthieu. Le chapitre 6, le verset 11. Bandeko mibali mpe basi, pona losambo oyo, nazo tangela bino liloba ezomi na kati ya mokanda ya Matayo. Na chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo. Vous pouvez reprendre place. Bofanda. Oh,
Très chers frères et sœurs en Christ, chers invités, cette journée a été précédée de beaucoup de prières et aussi de beaucoup de préparatifs de la part des frères et sœurs. Et d'emblée, je voudrais vous remercier pour ces prières et pour ces travaux de préparation. Que Dieu bénisse vos prières et votre engagement pour ce service divin. Nous ne nous sommes pas réunis dans ce stade pour voir un homme et pour entendre ses paroles. Vous n'êtes pas venu pour voir le nouvel apôtre patriarche de l'Église néo-apostolique. Parce que l'apôtre patriarche n'est qu'un serviteur au service de son maître, Jésus-Christ. L'homme n'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est son maître, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour lui que nous nous sommes réunis, c'est autour de lui que nous nous réunissons. C'est lui notre maître et nous voulons entendre son enseignement. L'apôtre patriarche et les apôtres ne sont que des instruments dans sa main. Notre Seigneur est un merveilleux enseignant. C'est le meilleur des maîtres, le meilleur des instituteurs. D'abord, il nous dit ce que nous devons savoir. À travers sa parole, il nous révèle son évangile, son enseignement et ce que nous devons savoir pour l'avenir. Mais il ne se contente pas d'enseigner. Il ne se contente pas de nous dire ce que nous devons faire. Il nous montre aussi comment nous devons le faire. Lui-même a donné l'exemple et il a montré comment on pouvait vivre selon son évangile. Il n'a pas seulement prêché, il a fait tout ce qu'il a enseigné. En toute chose, il nous a montré comment faire. Aujourd'hui aussi, il nous montre souvent comment faire. Quand nous regardons dans nos communautés, nous voyons souvent des frères, des sœurs qui font des choses admirables. Et quand on voit comment une sœur peut pardonner, on se rend compte, là Jésus m'a donné une leçon, je voudrais faire comme elle. Quand on voit un frère qui aide son prochain, on se dit ça, il fait ce que Jésus aurait fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Jésus nous montre ce qu'il faut faire et comment le faire à travers son exemple et à travers les exemples qu'il nous donne dans nos communautés. Et en plus, il nous aide à le faire. Dans le service divin, il nous donne aussi la force de mettre en pratique sa parole. Il nous donne à nos côtés des frères du ministère qui sont là pour nous aider à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire.
Ils nous montrent comment le faire. Azola kisabiso lo lenge kani akosala yango. Et ils nous aident à le faire. Be azo sungabiso na kosala kayango. Et parce que c'est un bon maître, un bon instituteur, il nous donne aussi des exercices. Lokola zali moyeki sia malonga, azo pesa biso mimekano moko ya ndenge ya kosalela. Qui nous permettent de mettre en pratique, de nous exercer et de vérifier si nous avons bien compris. Oyezo pesa biso nzela, to salela yango po mona soki penza toyoki mayema sengeli kosala. Chaque jour de la semaine est un exercice que Jésus nous donne à faire. Pour vérifier si nous avons compris la leçon du dernier service divin. Et c'est très intéressant quand on considère tout ce qui s'est passé dans la semaine. C'est juste un exercice que le bon Dieu m'a demandé pour vérifier si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit dimanche dernier. Et alors on réagit complètement différemment. Au lieu de s'énerver parce que quelqu'un a été méchant avec nous, on se souvient, ah non, non, dimanche il était question du pardon, ça c'est l'exercice maintenant, maintenant il faut que je pardonne. Vous savez, moi j'ai une foi très simple, c'est comme ça que je fonctionne. Le bon Dieu nous dit ce qu'il faut faire, il nous montre comment le faire, il nous aide à le faire. Et tous les jours, il nous donne des exercices à faire pour voir si nous avons compris et pour nous permettre de nous exercer. Et parce que les disciples ont remarqué que Jésus était vraiment un bon maître, un bon enseignant, ils sont venus un jour chez lui en lui disant, Maître, apprends-nous à prier. Et le Maître a répondu à leur demande et leur a enseigné la prière, celle que nous connaissons, le Notre Père. Et je voudrais en extraire cette phrase que vous avez entendue, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans cette prière, nous pensons d'abord à nos besoins matériels, à ceux dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Quand nous disons au Dieu Tout-Puissant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous exprimons notre confiance en Dieu et en notre Père Céleste. Le Seigneur Jésus a déjà dit, Dieu nourrit les corbeaux, aucun corbeau n'est oublié. Yesu alobakete, Nkolo azalikoleisa, Yanganga, Mokote abosanami. N'ayez donc pas peur, il ne vous oubliera pas non plus. Une autre fois, il a dit, si déjà vous, vous êtes capable de donner du pain à votre enfant quand il vous demande du pain et vous ne lui donnez pas une pierre à la place du pain. Combien plus le Père qui est dans les cieux sera donné des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Boni boni tata wa likolo akosanga kopesa biloko ya motuya na bana na yeba yebazali kosenga ye yango. Donc dans cette prière, donne-nous notre pain quotidien, nous exprimons notre confiance envers Dieu. Nakati alo sambonete, pesa biso bile ya mokolo na mokolo, tozali kolakisa lolenge totielaka nzambe motema. Parce qu'il est Dieu, il peut nous donner ce dont nous avons besoin, parce qu'il est notre Père, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Kola azali nzambe. Donc ne laissons pas les soucis de la vie quotidienne nous envahir et nous submerger. Nous avons confiance en Dieu, nous lui avons demandé et il nous donnera. Nous allons continuer l'ensemble de nos thèmes. Nous sommes en train de nous faire.
Maintenant, il faut savoir comment Dieu nous donne le pain quotidien. Oh, ça serait bien si tous les jours Dieu nous envoyait comme ça par ses anges de quoi manger. Mais c'est pas comme ça qu'il donne. Comment est-ce que Dieu nous donne notre pain quotidien? Dieu donne en nous donnant la force de travailler et en bénissant notre travail. En venant chez Dieu en lui disant « Donne-nous notre pain quotidien », nous sommes conscients que Dieu nous demande de travailler, de faire un effort et nous lui demandons de bénir nos efforts. Le travail fait partie intégrante des valeurs de l'Évangile. Dieu nous donne le pain quotidien en bénissant notre travail et nos efforts. Oh, je suis ici à Kinshasa, permettez-moi de le dire. Certains aimeraient bien que Dieu donne sans qu'on ait trop à se fatiguer. On rencontre parfois des jeunes dans les villes universitaires. Leurs parents travaillent beaucoup, beaucoup dans les régions pour leur envoyer tous les mois de l'argent. Et les parents se privent de tout pour que le fils, la fille aient de quoi manger dans la grande ville. Et le fils et la fille, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de la vie dans la grande ville et ils passent leur temps à s'amuser. Dieu ne peut pas bénir une telle attitude. Comment Dieu donne-t-il? Dieu nous donne dans le respect de ses commandements. Si je dis à Dieu, Dieu, donne-moi mon pain quotidien, je ne peux pas aller le lendemain aller voler mon pain. Parce que évidemment, ce n'est pas Dieu qui me donne mon pain si je l'ai volé à quelqu'un. Donc en demandant aussi, donne-nous notre pain quotidien, nous nous engageons à respecter les commandements de Dieu pour que Dieu puisse nous donner le pain quotidien. Et en exprimant cette prière, donne-nous notre pain quotidien, nous nous souvenons aussi, c'est lui là-haut qui nous donne tout. Sans lui, nous n'aurions rien. Et cela nous rend humbles et reconnaissants. Celui qui est conscient que c'est Dieu qui lui donne tout n'oubliera pas aussi de donner à Dieu la reconnaissance et l'offrande qui lui revient. Il y a tout ça dans cette petite prière. Nous exprimons notre confiance en Dieu, il nous donnera ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais pour que Dieu puisse nous donner, il faut que nous fassions notre part, il faut que nous fassions un effort, et il faut que nous respections les commandements. Alors Dieu peut donner. Et parce que nous savons que tout vient de lui, nous lui sommes reconnaissants. Et nous lui donnons sa part. Mais ça, c'est juste le début.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien a aussi une signification spirituelle. Le Seigneur a répondu au diable qui le tentait. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole issue de la bouche du Père. Donc la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est aussi une prière pour le pain de l'âme, pour la nourriture spirituelle. La nourriture, c'est ce qui nous permet de vivre. Ce qui permet à notre âme d'avoir la vie éternelle, c'est le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Et ce pain du ciel, nous ne le trouvons qu'auprès de Jésus-Christ. Quand nous exprimons cette prière, donne-nous notre pain quotidien, nous disons à Dieu que nous avons besoin de sa parole pour notre âme. Nous ne prions pas seulement pour notre corps, nous prions pour notre âme. Et je voudrais insister un peu là-dessus. Tous nous prions beaucoup, j'en suis persuadé. Mais qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce que nous lui disons? Le risque est grand que nous prions trop pour le corps et pas assez pour l'âme. Frères, sœurs, je lance cet appel au peuple de Dieu. Prie pour le salut de ton âme. Prie pour la grâce. Prie pour le retour du Seigneur. N'oublions pas le salut de notre âme dans nos prières. Cela mérite beaucoup plus d'attention et d'investissement de notre part. Le risque est grand, pris dans le flot des préoccupations quotidiennes, que nous ne prions pas assez fort, assez intensément pour notre âme. Donne-nous notre pain quotidien, donc donne-nous ta parole. C'est aussi une prière pour le prochain service divin. Je sais et je ressens que vous avez beaucoup prié pour ce service divin aujourd'hui. Mais qu'en est-il du prochain service divin, le prochain mercredi dans ta communauté? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des chrétiens clients d'une église. Oh, aujourd'hui il y a service divin, bon ben je vais y aller, je vais voir ce qu'on va me présenter. Et si ça me plaît, je l'emmène. Le service divin est le résultat d'un travail collectif de la communauté. C'est beau quand tous les frères et sœurs de la communauté prient pour le prochain service divin. Bon Père Céleste, dimanche ou mercredi, donne-nous un grand service divin, un bon service divin. Ne laissons pas ce travail au seul prêtre qui va conduire le service divin. Toute la communauté doit s'engager dans ce travail et prier pour le service divin. Nous prions pour le serviteur qui doit officier. Et le serviteur lutte avec Dieu pour qu'il soit sanctifié.
Donne-nous notre pain quotidien. Prépare-nous le prochain service divin dans ma communauté et fais que nous soyons bénis. Le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien, ça veut dire aussi que nous demandons tous les jours à Dieu, et toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Quelles sont tes pensées? Comment tu vois les choses? Ça, souvent, nous oublions de le faire. Il se produit quelque chose dans notre vie. Quelqu'un nous fait du mal. On va en parler à tout le monde, on en parle aux frères, à la sœur, on en parle aux voisins, on en parle aux collègues. Tu sais pas ce qu'il a fait. Il se produit un scandale, un dérapage quelque part. Oh là, les téléphones fonctionnent, ça marche. Tout le monde, il faut que sache qu'est-ce qui s'est passé. Tu l'as raconté à tout le monde, mais est-ce que tu en as parlé au bon Dieu? Est-ce que tu as demandé au bon Dieu, bon Dieu, tu vois ce qui s'est passé, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donne-nous le pain quotidien aujourd'hui, Seigneur. Dis-moi ce que toi tu penses de ce qui vient d'arriver, de ce qui s'est produit. Et je vous garantis que le bon Dieu répond à cette prière. Mais si nous ne le faisons pas, c'est juste parce que nous savons d'avance ce qu'il va nous dire. Et ça, nous n'avons pas envie de l'entendre. Donne-nous notre pain quotidien, c'est l'engagement du chrétien. Je veux savoir tous les jours ce que Dieu pense de la situation, quelle est sa volonté, quelle est sa façon de voir. Donc prier pour le pain quotidien, c'est prier pour le salut de son âme, pour le prochain service divin, et pour connaître dans la vie de tous les jours les pensées de Dieu et la volonté de Dieu. Mais le Seigneur est encore allé plus loin. Lui a dit un jour, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Sa nourriture, c'était d'obéir à son Père et de faire sa volonté, pas seulement de la connaître, mais de la faire. On peut se dire, oh, ça c'est difficile à comprendre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. En fait, c'est très simple. Je l'ai dit tout à l'heure, la nourriture, il faut qu'on mange tous les jours pour vivre, sinon on meurt. Et c'est pareil pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger. Et le Seigneur a dit très clairement, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seulement celui qui fait ma volonté entrera dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens crient sous toutes les formes « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Mais celui qui veut la vie éternelle doit faire la volonté de Dieu. Et
Parce qu'il sait, si je ne fais pas la volonté de Dieu, je ne peux pas avoir la vie éternelle. Alors il n'obéit même pas juste pour avoir une récompense ou pour ne pas être puni. Il a besoin d'obéir parce que c'est ça sa vie. Nous avons tous besoin, vraiment besoin de manger. Le Seigneur avait besoin d'être en communion avec son Père et de faire la volonté du Père. Le Seigneur ne supportait pas d'être séparé du Père, de ne pas être d'accord avec lui. Il ne voulait pas vivre en désaccord avec son Père. Et même quand il n'a plus rien compris, quand il n'a plus compris son Père, il a dit, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ça lui a beaucoup coûté, mais il ne pouvait pas faire autrement. C'était vital pour lui. Il fallait qu'il soit d'accord avec le Père. Et quand nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous exprimons ce besoin. Nous disons à notre Père Céleste, je ne peux pas vivre loin de toi. Je ne peux pas vivre sans faire ta volonté, je vais être un avec toi. Et cela nous rend capables de renoncer à notre volonté et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous avons besoin de ça pour vivre. La nourriture nous donne aussi de la force. Quand nous mangeons, nous avons de nouveau des forces. Celui qui fait la volonté du Père est fort. Il est fort parce qu'il a la certitude, ce que je fais est bien fait. L'homme qui cherche son propre chemin n'est jamais sûr. Est-ce que c'est le bon chemin ou non? Il ne sait pas, il faut qu'il attende la fin de l'histoire. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il est sûr d'avoir fait le bon choix, il ne s'est pas trompé, Dieu a toujours raison. Celui qui fait la volonté de Jésus est sûr de gagner parce que Jésus gagne toujours. Et ça, c'est quelqu'un qui est fort, celui qui sait, je ne me suis pas trompé, j'ai pris la bonne décision. Celui qui mange tous les jours ce pain quotidien, je veux faire la volonté de mon Père, est fort parce qu'il sait, j'ai pris la bonne décision. Celui qui fait la volonté de Dieu est fort et il peut vivre, expérimenter l'aide de Dieu. Bon, c'est juste au peuple d'Israël, dans toute son histoire. Tant qu'ils obéissaient à Dieu et qu'ils faisaient sa volonté, Dieu était avec eux et ils gagnaient. Et à chaque fois qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils n'ont plus obéi, ils n'ont plus vécu l'aide de Dieu et ils ont pris une raclée et ils ont perdu. C'est l'ennemi qui a gagné. Celui qui obéit à la volonté de Dieu est fort parce qu'il sait, je peux compter sur l'aide de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur a dit, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Donc tous les jours, j'ai besoin de ça.
Il faut donc obéir à ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Je reprends l'exemple du peuple d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Devant la mer, derrière l'armée des Égyptiens. Et ils ont crié, délivre-nous. Et Dieu leur a dit, taisez-vous, c'est moi qui vais faire le travail. Ils ont obéi et le miracle a eu lieu. Plus de 40 ans plus tard, ils sont entrés dans le pays de Canaan et ils étaient devant Jéricho. Et quand ils ont vu les murs de la ville de Jéricho, impossible de rentrer là-dedans. Alors ils ont crié à Dieu, Dieu aide-nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, Dieu leur a dit, il faut faire le plus de bruit possible. Ils ont obéi, ils ont fait du bruit. Et les murs de Jéricho sont tombés. On peut dire, mais attends Dieu, c'est pas ce qu'il veut. La dernière fois, il nous a dit de nous taire. Maintenant, il nous demande de nous crier, de crier. C'est un exemple tout simple. Ça prouve simplement que ce qui est important, c'est d'obéir à Dieu au moment où il nous demande quelque chose. Aujourd'hui, Dieu, dans le service divin, nous parle de la prière pour le pain quotidien. C'est ça qu'il faut faire. Demain, nous trouvons dans une autre situation et nous revenons à l'église. Et le Saint-Esprit va nous parler du pardon. Il faut pardonner à ton prochain. Et on va lui dire, mais attends, ça n'a rien à voir. Moi j'ai faim, j'ai besoin de ton aide. Et toi tu me dis, il faut pardonner à mon prochain. Ça n'a rien à voir. Frère, sœur, fais ce que le Seigneur te dit maintenant à travers son esprit. Et là tu vivras l'aide de Dieu. Mange le pain d'aujourd'hui, fais ce que Dieu te demande aujourd'hui de faire et tu vivras son aide. Voilà, chers frères et sœurs, quelques simples pensées concernant cette petite prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Elle concerne notre vie terrestre. En disant cela, nous sommes conscients que Dieu est grand et il ne nous oublie pas, nous exprimons notre confiance. Nous nous engageons à travailler et à respecter ses commandements pour que lui puisse nous donner notre pain. Et parce que nous savons que tout vient de lui, nous lui exprimons notre reconnaissance. Donne-nous notre pain quotidien, ça concerne aussi le pain de l'âme, la parole de Dieu. Nous prions pour le salut de notre âme. Nous prions pour le prochain service divin. Et tous les jours, nous demandons à Dieu, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Dis-moi ce que toi tu en penses. Et Dieu nous répond à travers son esprit. Le pain quotidien, c'est aussi de faire la volonté de Dieu tous les jours. Nous avons besoin de faire la volonté de Dieu parce que c'est ça qui donne la vie éternelle. Nous avons besoin de faire la volonté de Dieu parce que nous aimons Jésus et nous voulons toujours être d'accord avec lui.
Et nous savons que celui qui fait la volonté de Dieu expérimente l'aide de Dieu et cela nous renforce. Et puissions-nous emporter ces pensées dans notre cœur et les mettre en pratique dans les temps à venir. Et nous vivons la bénédiction de Dieu d'une façon concrète. Amen. 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 Nous avons des invités, entre autres, l'apôtre de district Barnes de Cape Town, d'Afrique du Sud. Je l'invite à nous servir. Cher Coris, chantez-nous une chanson. Brothers and sisters, and dear guests, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, I am very, very thankful to our Heavenly Father that I can be here today. Je suis très reconnaissant à notre Père Céleste qui a fait que je sois ici. Nazali na boton di mingi pa ya tata na biso alikolo ya pesin zelete nazala bipa iboyi. He has inspired our chief apostle to invite me to this feast. Le Père Céleste a inspiré notre apôtre patriarche pour qu'il puisse m'inviter ici. In the beginning, our chief apostle spoke about the great wisdom of our Heavenly Father. Tout au début, notre apôtre patriarche a parlé de la grande sagesse de notre Père Céleste. And he said, "Our God knows everything." Et il a dit, notre Père Céleste connaît toutes choses. Pe alobi ete tata na biso alikolo ayebi makambo manso. He, our Heavenly Father, is the only one that knows everything. Lui, notre Père Céleste, est l'unique personne qui connaît toutes choses. He also knows what you and I need. Et aussi, il connaît ce que toi et moi avons besoin. And today, it has been revealed in such a wonderful way. Et aussi, aujourd'hui, il s'est révélé d'une manière tout à fait particulière. He has taught us to pray, give us this day our daily bread. Et il nous a appris aujourd'hui à prier et à recevoir notre pain quotidien. And we have learned that that has nothing to do with the natural bread that we eat. Et nous avons appris que cela n'a rien à voir avec le pain naturel que nous mangeons. We have learned that when we pray this way, then we become strong spiritually. Et nous avons appris que si nous prions de cette façon-là, nous allons devenir très forts spirituellement. Et nous avons appris que si nous prions de cette façon-là, nous allons devenir très forts spirituellement. We become strong so that we can do the will of God our Father. Et si nous devenons forts, c'est pour que nous puissions être en mesure de faire la volonté de notre Père Céleste. And in this, Jesus was a great example for us.
Et en ceci, le Seigneur Jésus est un grand exemple pour nous. Even though sometimes it was very difficult for him. Et quand bien même il a aussi connu des moments difficiles parfois. Atako aleka kina bangonga ya pasi. L'a mené dans le désert. Osali kotanga ete monguna amemaka ye nakati esobe. And he was very hungry naturally. Et naturellement il était très affamé. Azalaki pensa na nzala. And then the devil said to him, if you are the son of God, you have the power to turn the stones into bread. Et Satan lui a dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, tu devrais avoir le pouvoir de changer, de transformer ces pierres en pain. Et Satan a dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, tu devrais avoir le pouvoir de changer, de transformer. It was not a bad idea. Et en effet, cela n'était pas une mauvaise idée. I'm sure that he was tempted to do this because he was hungry. Je suis convaincu qu'il pouvait bien le faire car il avait faim. But brothers and sisters and friends and guests, it was not the will of our Heavenly Father. Mais bien, chers frères et sœurs, chers invités, cela n'a pas été la volonté de notre Père Céleste. We have been made strong today to do the will of our Heavenly Father. Nous sommes devenus beaucoup plus forts aujourd'hui pour faire la volonté de notre Père Céleste. And the first task for us is to love our God. Et tout d'abord, il nous a demandé d'aimer notre Dieu. And if we love God, Jesus says, then we will keep his commandments. Et si nous aimons Dieu, Jésus a dit, nous devrions retenir ses commandements. Soki tolingi Nzambe, tokoyeba kosalela mibeko na ye. And one of those commandments the choir sang about in the beginning, so beautifully in English. Et l'un de ces commandements, c'est comme la chorale a chanté au début, c'est très bon en anglais. Moko na katya mibeko na ye ndeo bayembi bayembaki na ye bandeli. That we follow the Lord unto the end. Ainsi nous allons suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Yango tokolanda nkolo kino na suka. And to do that, brothers and sisters, we need strength. Et pour être en mesure de faire cela, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir de force. On a kosala yango bandeko mbali pe basi toza posa ya kozala na bokasi. And sometimes we will be tested also. Et de fois, il nous arrive aussi d'être testés. Et comme la kabiso toleka na kati ya mimekano. But if we have prayed, give us this day our daily bread, we will be strong. Mais si nous avons prié, donne-nous notre pain quotidien, nous allons devenir beaucoup plus forts. And to be a true disciple, you must be strong if you want to follow to the end. Et si tu veux suivre jusqu'à la fin, si tu veux devenir un véritable disciple, tu devras être fort. We may not be perfect, we will make mistakes. Nous ne pouvons pas être plus parfaits, mais nous devrions demeurer. And the mistakes may cause us to stumble. Mais il peut aussi arriver que nous puissions commettre des erreurs. But we will always get up because we have strength. Mais chaque fois nous allons nous relever car nous sommes forts. And may God be gracious to us and help us. Et notre Dieu aura pitié de nous. Il nous viendra toujours en aide. That we remain strong until the end. Pour que nous puissions demeurer forts jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous avons un autre invité. Celui-là, je crois que vous le connaissez un peu mieux. C'est votre voisin immédiat, l'apôtre du district Tshisekedi. Je l'invite également à nous servir, cher choriste, s'il vous plaît. Never.
l'histoire de la multiplication des pains. Les disciples ont dit au Seigneur, ce lieu est désert. Et renvoyer la foule. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Le Seigneur vient visiter son peuple en République démocratique du Congo. Fille de Sion, sois heureuse. Parce que le Seigneur s'est approché de toi. Et il nous a apporté quelque chose de spécial. Il s'agit du pain frais. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. L'apôtre patriarche a dit, il n'est pas question de ce pain que vous appelez Kanga journée. Mais il s'agit plutôt du pain frais spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce même environnement, nous sommes en plein air, nous sommes dans un stade. Et lorsque nous rentrons dans cette histoire de multiplication des pains, le Seigneur s'approche devant toi dans ton désert spirituel. Mon frère et ma soeur, au cœur de ta souffrance, au cœur de ta douleur, en ce jour, au sein de ta crise spirituelle, et il veut te donner du pain. Ne te décourage plus. Ne dis pas que c'est impossible, ça ne peut plus se faire, c'est tard. Mais l'heure a sonné pour toi, c'est aujourd'hui, alors et maintenant. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pas juste s'asseoir, tendre les mains et dire alors dépose le pain frais. Non, pas ça, il ne faut pas faire ça. Mais plutôt il faut se mettre au travail. Parce que dans cette histoire de multiplication des pains, avant la prière et après la prière du Seigneur, rien ne s'était passé. Le miracle a eu lieu cependant qu'ils étaient en train de travailler. L'apôtre patriarche te dit aussi aujourd'hui, mets-toi au travail. Récupère la parole de Dieu. Que la parole te change, que la parole te transforme. Mets cette parole-là au travail. Et tu vivras aussi le miracle de la multiplication. C'est-à-dire que ton désert va produire 12 paniers supplémentaires. Bien que nous puissions avoir suffisamment de réserves, pour que nous continuions à travailler tous les jours jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Le troisième invité est l'apôtre du district adjoint Robert Zamba. Il nous vient de Zambie. Je l'invite aussi à nous servir, cher choriste, s'il vous plaît. Ouvre. Beloved in the Lord, dear brothers and sisters. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs. Sitting under the word from our heavenly Father through His servants. Restant dans la parole
de notre apôtre patriarche. Seigneur, coton dans ton avis sur mon conseil. One can only express joy in his heart. Personne ne peut ne pas exprimer sa joie en cela. Mon côté a voyé qu'on s'engage à la naissance pour la yango. And request from the Lord. Et aussi une sollicitation de la part du Seigneur. Continue to guide me, O thou great Redeemer. En disant, Père Céleste, continue à me à diriger mes pas. So that every step that I take draws me nearer home. Pour que chaque étape, chaque pas que je fais puisse me conduire plus proche de ta maison. Because when we walk in the light of thy word, parce que quand nous marchons sous la lumière de ta parole, what a glory you shed upon our way of life. Père Céleste, tu nous éclaires. Amen. Amen. Vous avez vu, notre apôtre de district adjoint nous a donné un bel exemple d'obéissance. Je lui ai dit de faire court et il a fait vraiment très très court. Mais nous le remercions pour ses pensées et pour son obéissance. Le Seigneur a parlé d'une autre nourriture, encore d'un autre pain. Il a dit que sa chair et son sang étaient une véritable nourriture qu'il fallait manger. La Sainte Seine fait aussi partie de cette nourriture de l'âme, une nourriture essentielle pour l'âme. Et en mangeant la Sainte Seine, en recevant le corps et le sang de Jésus, cette nourriture nous donne la force de grandir. De grandir dans la nature de Christ et de lui ressembler de plus en plus. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il comprend de mieux en mieux les parents. Moi, je me souviens, je l'ai souvent raconté, quand j'étais petit, ma mère était très sévère avec moi. Nous habitions près d'une route et elle m'avait interdit de jouer sur la route ou de la traverser. Et si jamais elle me surprenait en train de marcher sur la route ou de la traverser, elle me donnait une fessée. Et donc j'obéissais parce que j'avais peur d'être puni. Mais entre-temps, j'ai grandi. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ma mère pour me dire « Fais attention en traversant la route, c'est dangereux ». J'ai compris pourquoi il ne fallait pas être sur la route. Et parce que je veux vivre, je ne traverse pas la route n'importe comment. Je ne fais plus la volonté de ma mère, je fais ma volonté. Parce que moi, je veux vivre. C'est pareil pour notre relation par rapport à Jésus-Christ. Au début, nous obéissons aux commandements parce que nous nous disons « Oh, sinon on va être punis. » Et ensuite, nous grandissons et nous comprenons « Ah non, il faut obéir parce que c'est pour notre bien. » J'obéis à Dieu parce que Dieu a raison, c'est pour mon bien. Mais au fur et à mesure que nous grandissons en Christ,
nous ne faisons plus la volonté de Dieu, nous faisons notre volonté. Parce que maintenant nous sommes d'accord avec Dieu. Sa volonté est devenue notre volonté. Et donc nous n'obéissons plus à Dieu, nous faisons ce que nous voulons, mais ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut. Chers frères et chers sœurs, ça c'est l'effet de la Sainte Cène reçue dans la foi. Nous grandissons dans la communion avec Jésus. Et de plus en plus, sa volonté devient notre volonté. Et désormais, nous sommes libres, nous pouvons faire ce que nous voulons. Parce que ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut, nous sommes d'accord. Pour nous préparer pour la Sainte Cène, il était prévu un cantique que nous chantons tous ensemble. Mais j'ai vu aussi que les enfants ont préparé un cantique. Alors j'invite nos enfants à nous chanter un cantique qui tiendra lieu de cantique de repentance. Du fond du cœur, merci Père pour ta grâce et pour ta bénédiction. Merci pour le pain quotidien que tu nous donnes, le pain naturel et le pain spirituel. Merci de nous enseigner ta volonté et de nous aider à la faire. Nous prions ensemble pour ton œuvre dans ce pays. Ton peuple dans ce pays est très très nombreux et nous t'en remercions. Bénis les deux apôtres de district et les apôtres. Bénis tous leurs collaborateurs. Bénis toutes les communautés, de la plus grande à la plus petite. Qu'elles soient en ville, qu'elles soient au village ou au milieu de la brousse, bénis-les richement.
Bénis tous tes enfants, emplis-les de ta force. Permets-leur d'être dans la joie et de vivre dans la paix du Seigneur. Aide-nous à trouver les âmes que tu vas encore ajouter à ton peuple. Il y en a encore beaucoup. Aide-nous à attirer vers toi ceux qui se sont éloignés de toi. Aide-nous à être prêts pour le retour de Jésus. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen.
je chanterai. Du fond du cœur, merci, mon Père Céleste. Merci pour ta grâce et pour ta parole. Merci pour le pardon de nos péchés. Pour la sainte scène que nous avons pu fêter ensemble. Merci pour le travail accompli par les apôtres et les évêques qui ont été admis à la retraite. Y compris l'apôtre qui n'a pas pu être là, accorde-lui à lui aussi une retraite bénie. Merci pour les nouveaux apôtres et les nouveaux évêques que tu nous as donnés. Oh Père, remplis-les de ta force et de ton esprit. Manifeste-toi puissamment à travers eux. Nous te recommandons encore une fois tous les malades et tous ceux qui souffrent. Pense aux étudiants qui ont passé leurs examens, accorde-leur la réussite. Tu as vu les offrandes que tes enfants t'apportent, accorde-leur en échange ta paix et ta joie. Étends ta main sur tout ce pays. Accorde la paix. Accorde-nous maintenant plus et mieux que nous pouvons te demander. Abrège le temps, envoie ton fils. Et prends-nous tous auprès de toi. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. 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 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir accepté de venir un lundi pour un service divin. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup réjoui parmi vous. Je vous remercie pour vos prières et pour votre soutien. J'ai cru comprendre que vous étiez satisfait des ordinations. Mais je vous demande quand même, est-ce que vous êtes d'accord de travailler et d'être fidèle à ces hommes de Dieu et à votre apôtre de district? Merci beaucoup, alors je suis rassuré. Merci Mingi. Personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la chorale. Et si vous êtes d'accord, on va les écouter encore une fois. Soki bolingi, bofanda nanu moketo yoka lisusu bayembi baningisa. Et ensuite, l'apôtre de district, encore un mot à dire. Simana yango, tomana bino adisi, kazana mwa liloba ya koloba. Reprenez place, chaton. Bofanda, bayemi topesi bino. Thank you.
Merci Mingi. Matondo Mingi, maboko. Nakokite. Yeah.
Et l'habitat tout, et l'habitat tout.